Ok, c'est bon, le micro fonctionne. Bon, bah voilà. Je vais balancer un petit tweet histoire de dire hey, les gars, je suis là si ça vous intéresse. Le dernier chill live de l'année. Alors, Twitter. Bonjour, Twitter. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça doit faire 10 minutes peut-être. Yo, s'il y a des gens qui arrivent sur le live, j'espère que vous allez bien pour ce dernier petit live de l'année. Alors, Twitter. Quoi de neuf? Eh ben écoute, quoi de neuf? Je fais un dernier live chill de l'année sur Twitch. Ramène ta gueule. Voilà, sur Twitch. Bien. Avec un H, ça sent mieux. Dead Cells pour pleurer un peu avant 2018. Très bien! Mais oui, mais il y a de l'humour, il y a tout, c'est très très bien. https://www.twitch.tv/xjxbx_rpg, you know what I mean. Et j'ai envie de dire, c'est posté. C'est posté. Est-ce que c'est le bon lien? Ce n'est pas le bon lien, j'ai réussi à me foirer en écrivant mon lien. C'est très très fort. Genre, c'est genre vraiment le top niveau du mec en communication, j'ai envie de dire. Effectivement, j'avais oublié un H à Twitch, donc forcément, ça allait moins bien marcher. Si je le retweet cette fois... Mais ça fonctionne! Voilà. Ok. Jamais 203. Il va se passer un autre truc. Yo! Et ben voilà, nous sommes de nouveau sur Dead Cells, histoire de faire un peu couler du sel de mes joues avant cette année 2018. On teste le nouveau fond vert Elgato. Regardez-moi cette beauté qui est... Oh là 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 là! Voilà, ça, alors ça honnêtement c'est beaucoup trop fort. Ça, honnêtement, c'est genre abusé. Mais donc voilà, je le dis, hein, c'est genre abusé. Ok, et bah écoutez, ah si, faudrait peut-être que je poste sur Discord aussi. Mais en même temps, est-ce que je n'ai plus de Discord sur mon ordinateur, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai cherché mon téléphone portable et on poste sur Discord? Genre, yo! Eh, je fais un live. Non, mais remarque, sur le Discord, il y a un truc automatique qui annonce que le live a commencé. Donc, ce n'est pas forcé. On n'est pas obligé de faire ça comme ça. Eh ben, on va jouer. Je pense que c'est pas mal. On va jouer. Let's go. Continuons notre partie. Donc, la dernière fois, j'ai réussi à aller jusqu'au boss, quand même. J'étais assez fier de moi. J'ai fait une petite partie de mon côté. J'ai découvert ici le petit passage secret pour ramasser un arc. Donc voilà, maintenant vous le savez, il y a le petit passage secret pour récupérer un arc. J'ai débloqué quelques trucs. Voilà, rien de ouf, hein. Mais malheureusement, j'ai toujours le choix avec deux trucs au début. Mais on va commencer par l'arc, parce que c'est plutôt pratique. On va attendre que lui se ramène. On va l'enchaîner avec deux coups d'épée. Comme ceci. Lui, il va charger, on l'esquive, on va dans son dos. Coup d'épée, il est stun. Parfait. On va tenter d'ouvrir ça, ça ne s'ouvre pas. Très bien. J'aime bien l'animation quand il fait... Pas grave. Allez, c'est parti. Non mais alors toi. Ok, j'ai encore les réflexes des touches de Tokyo Xanadu, c'est pas très très bon je pense. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai à peu près les touches en tête, ça devrait aller. On ramasse un peu d'or, c'est très bien. Alors, on va aller par là. Il y a la bombe jaune. Oh là, alors toi, tu es trop loup. Non, j'avais... Ah non, c'est la bombe qui m'a touché. Quel idiot. Voilà, très bien. Hop, ça, ça s'ouvre. Bonjour. Je suis là. On va pouvoir aller récupérer la bombe gelante. C'est très bien. Voilà. Bonjour. Eh, hey, je t'ai jeté un froid, Freeze. Oh, 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 lol. Alors, est-ce que je vais essayer... Je vais essayer de stunner les deux d'un coup, là. J'y crois pas trop, hein, mais c'est... C'était faisable, en fait, effectivement. Très bien. Merci. Je ramasse ça. Bon, je me suis gouré de touches, hein. Habituel. Ok, donc là, ça va être pour aller aux égouts, je mets...
c'est clean. Bonjour. Oh, cette double esquive menée tel un maître. Oh là 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 là. Alors, on va augmenter la brutalité. Même si on aurait pu augmenter peut-être les bombes, ça aurait été peut-être plus malin. Mais la brutalité, c'est quand même vachement pratique. Allez, retourne-toi. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va cleaner cette première partie du niveau. Et on ira sûrement ensuite dans les égouts pour récupérer un nouveau spell. Et yo, Panzer, ça me fait super plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien, que tu es prêt à fêter cette fin d'année dignement. Alors, qu'est-ce que tu vends? Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse... Ah, ça, ça m'intéresse. Est-ce qu'on claque quasiment toute la thune qu'on a pour acheter un arc qui tire deux flèches d'un coup et qui empoisonne? Techniquement, ça pourrait être ultra cheaté. On va faire ça pour l'instant. Ok, très bien. Je voulais la jouer comme ça, moi aussi je peux me la jouer comme ça. Tiens, toi tu vas te prendre un piège à loup d'ailleurs. Voilà, très bien, c'est fait. Ça va nickel et toi? Bah écoute, ça va très très bien, je suis en train de tester le nouveau fond vert que j'ai reçu vendredi. Alors tiens, je vais le faire pour toi, parce que Panzer, tu es quelqu'un que j'apprécie. Regarde-moi ça et kiffe. Voilà. Je trouve ça juste énormissime. Yo, Riff! J'espère que tu vas bien, Riff. Et puis, bah voilà. Voilà, ça me fait délirer. Allez, on va augmenter ça. Ça sera beaucoup mieux. Donc, on a augmenté la tactique, c'est très bien. Donc là, c'est la promenade des condamnés. Donc, ce n'est pas là où nous voulons nous rendre. Nous allons... Ah, ça, je sais toujours pas comment on le... Comment on l'active. Hein. C'est un peu relou. Donc, voilà. Très bien, on va utiliser le téléporteur qui est normalement ici. Nous allons nous rendre là, et nous allons aller de l'autre côté, vers les égouts dégueulasses. Comme ça, on aura ramassé quelques... Bonjour. Mange-toi ça, c'est cadeau, et tu crèves. Ah écoute, ça va super bien, Riff, c'est ce que je disais, je m'éclate avec mon nouveau matos. L'empoisonnement est over-cheaté, hein, je pense. Puis deux flèches d'un coup, c'est un peu cheaté. Yo, le Calerne! Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un portail où je pense qu'il va falloir ne pas se faire toucher pour finir le level. Atteindre la sortie en ayant éliminé tous les ennemis sans subir de dommages. 48 ennemis. Ah, ok, d'accord, il y a des pics. Ah, voilà. Défi raté, normal, porte condamnée. En fait, je me suis fait avoir parce que j'ai inversé le saut et la roulade. Autant dire que c'était un défi rondement mené, hein, on peut le dire. Allez, on y va. Yo, le Calerne. Je crois que j'ai déjà dit. Alors, j'ai combien d'âmes? J'en ai 8. Donc, techniquement, je pourrais améliorer quelque chose de nouveau. Je crois qu'il y en a... Ah, 11. Fuck. J'étais presque, remarque. Il nous en manquera 3 pour le reste. On commence à avoir pas mal de potions à déverrouiller, c'est plutôt cool. On peut prendre une mutation. On avait vu que celle pour regagner des points de vie est over-cheatée. T'attends la sortie sur console de Dead Cells. Le Calerne qui fait de la pub sauvage. C'est tellement ça, Riff. Mais en fait, le problème, c'est que depuis le temps que je l'attendais, je me suis dit, non, mais c'est bon, il est sur PC, il est à 12 balles. En plus, on me l'a offert pour Noël. Donc, je t'avoue que là, pour le coup, c'est quand même le cadeau ultime pour moi. Et j'avais la flemme de l'attendre sur console. Donc voilà. Bon, alors les ennemis ici sont un peu relous. Il y a des scorpions un peu cheatés, voilà. Qui crachent des boules de poison. Donc on va essayer de jouer un peu proprement. Ah oui, il y a eux aussi qui sont bien relous. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, quand ils meurent, ils lâchent des œufs et les œufs explosent. Voilà, génial. Comment je vais faire pour repasser? Je pense que... Ok.
je pensais que ça irait un poil plus loin. Merci. Allez, meurs de poison. Vous avez vu jusqu'où ils vont les œufs, c'est abusé. Eh ben écoute, Panzer, merci à toi. Merci infiniment. C'est ouf de ta part. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu l'animation, je crois que je me suis... Ah ben oui, bien sûr. Parce que l'animation... Alors attends. Merci Panzer, tu gères. C'est ouf, merci beaucoup. Hop, voilà. L'animation était off. Eh ben écoute, Panzer, félicitations, merci à toi. Tu vas pouvoir maintenant balancer plein de petits emotes avec ma tête dessus ou avec Jack Frost au choix. Je te remercie énormément, c'est très cool de ta part et merci. Alors, est-ce que t'es... Ah oui, tu subis le claptrap, ça c'est cool. Oh mais regardez tous les œufs, c'est abusé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça? Enfin si, je peux les éviter. Et ça, alors voilà, ça c'est ma hantise, honnêtement. Hein. Les flaques de poison de 1 de longueur, merci quoi. Ok, donc là, il n'y a rien à faire, on va descendre. Rien à faire ici, très bien. Hop, hop. Hop. Alors voilà, c'est ce que je disais la dernière fois en fait, c'est très drôle parce que autant il y a des endroits où il reste des runes sur les niveaux autres que le premier, autant il y a des endroits où il y en a absolument pas. Toi t'es bien relou toi, vas-y meurs, merci. Alors voyons voir. Atteindre la sortie en ayant éliminé tous les ennemis sans subir de dommages en 2 minutes 30, soit 66 ennemis. J'ai roulé ! Oh, mon dieu, mais ces trucs là c'est tellement pas pour moi. J'ai tellement la pression en me disant qu'il faut pas que je me blesse que je fais de la merde. Alors ça, là, y'a rien, c'est cool. Ah, toi, par contre, j'étais sûr que t'étais là. Hop, petite double flèche. Voilà, tu meurs, merci. On va aller chercher le petit parchemin. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Je pense qu'on va améliorer technique de... Non, survie. Parce que donc il y a peut-être plus que 15%, mais il y a plus 3 PV quand un ennemi meurt. Ce qui va cheater énormément notre jeu. Parce que rien que là, on a regagné déjà 6 points de vie. Donc en soi, sur 338, c'est pas énorme. Mais à force de battre des mecs, ça va abuser à mort. Donc là, il y a le mec qui veut qu'on lui récupère son truc. Il n'y a personne, d'accord, donc t'es pas là. En fait, tu me fais dire de la merde le jeu. Pourquoi tu me fais passer, tu te rends compte? Des points de vie gratos. Alors ça, là les chauves-souris elles sont reloues. Mais par contre tu les one-shot. Oh je l'avais pas vu. Oh, je croyais que c'était du décor. Oh non mais il y a un verre. Bonjour. On va attendre que tout explose. On va remonter et on va choper ça. Schéma obtenu, l'encaissement. Oh ça doit être pas mal ça. Alors attends, j'ai juste peur qu'en fait si on descend tout en bas ce soit des flaques de poison. Ah, effectivement, c'était une flaque de poison. Heureusement, nous ne sommes pas fait avoir. Redonne-moi des points de vie! Merci. Toi aussi, redonne-moi des points de vie! Vous êtes sérieux, les gars, là? Oh, non, mange ça. Voilà, plus de munitions, c'est bon, t'inquiète. Oh! Eh bah, écoute. Ah, bah, The Weed, tiens. Qui me suit sur YouTube et qui actuellement a pas mal de problèmes avec la 480p. Parce que malheureusement, apparemment, YouTube mobile ne poste pas ma 480. Il met tout directement en 1080, donc voilà. Et bah, bienvenue à toi. Ok, il y a eu l'animation comme quoi j'étais rentré dedans, mais j'ai pas été empoisonné. C'est gentil le jeu, merci. Qu'est-ce qu'on a par là? Ok, ça passe, tranquille, toi tu te prends une grenade. Non, j'étais loin! Ok, très bien, on a quoi? Un shawarma? Très bien, je prends, merci. Le niveau est gigantesque, hein.
j'ai bougé. Mais non, le jeu. Je vais être obligé de claquer une potion. Y'a quoi en bas là? Y'a un mec et une chauve-souris. Faut... En fait, le truc c'est qu'il faut... Il faut tellement faire tout le temps attention à tout pour pas faire de conneries. Parce qu'en fait, la moindre erreur, les mecs ils t'enchaînent après. Hein. Regardez! C'est abusé là! Non, merde. Oh, quoi? Bon, on va claquer une potion, c'est pas grave. J'avais augmenté exprès pour qu'on en ait deux. Ok, ma grenade est prête. Personne, normal. Nouveau TP. Mais ça, je vais jamais le passer, ça. Je vais mourir en poule là-dedans, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Le toit de la prison. D'accord, donc le toit de la prison, c'est tout en haut. C'est là où il y a le premier boss, il me semble. Donc on va pas y aller pour l'instant. Là, il y a un vendeur, c'est ça? Non, là, il y a... Ah bah tiens, c'est lui. C'est lui qui nous demandait de récupérer son sort. Ah, te revoilà! C'est ici qu'elle se trouve. La marine se trouve un peu plus bas. Quoi? Mais non! Tu n'as rien à craindre! Après être arrivé jusqu'ici, tu n'en feras qu'une bouchée! Alors, vas-y! Alors, écoute, je te connais pas déjà. Tu m'as alpagué dans des égouts plutôt chelous. Je t'avoue que pour l'instant, je vais finir de visiter un peu la zone, voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait m'aider davantage à essayer de tanker mes adversaires, ou peut-être prendre de nouveau un peu de points de vie. Merci. Okay, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on augmente? Là, on a plus 30 en vie, mais plus 15% de dégâts avec les équipements verts, ce qui pourrait être intéressant. Et ici, on a plus 15 pour les équipements mauves et plus 30%. Mais par contre, on a toujours plus 3 PV. Alors, mais honnêtement, c'est le violet qu'il faut prendre. Parce que c'est ça qui va tout renforcer au final. Ok, y'a rien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir de la carte? Sandales spartiates de niveau 2, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé là? On va descendre un peu, on va récupérer le téléporteur et on va voir pourquoi j'ai pas chopé les sandales spartiates. Alors, les sandales spartiates. On va se TP. Ah, mais oui, mais c'est le côté où on n'était pas parti. Yo the weed. J'imagine que c'est comme ça que dit son, ton pseudo, hein. Je suis désolé si je l'ai écorché, si ce n'est pas ainsi. D'accord, donc les sandales spartiates sont par ici. Mais pour une raison qui m'est inconnue, je ne sais pas comment les avoir. J'imagine qu'il y aura un truc à la Castlevania où tu auras un speed vers le haut pour dasher. Voilà, elles sont là, très bien, bonjour. À moins qu'il y ait un passage secret de l'autre côté. Non, non, non plus. Ok, donc il n'y a pas de passage secret, très bien. Eh bien écoutez, on va aller vers le toit de la prison, nous allons pouvoir sauvegarder nos 13 âmes. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On combat le boss ou on va vers le... Ah, on va aller combattre le boss, on est là pour ça après tout. Oh, t'es relâ, toi. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on continue? On continue à améliorer... 30%, hein, c'est toujours plus intéressant de prendre plus de vie. T'étais pas empoisonné, toi, tu m'expliques. Thèse, ok, d'accord. Bah écoute, Thèse, y a pas de souci. Mon pseudo est gorgé. Non, mais il est compliqué, ton pseudo. Déconne pas non plus, mec. Ah non, mais vous êtes sérieux, là? Attends, mais c'est un cul-de-sac! En plus de me faire rager pour descendre, c'est un cul-de-sac! Mais le jeu, s'il te plaît, sois cool avec moi, quoi. Bonjour, vendeur!
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'arc double en coche de niveau 3 qui tire 2 flèches plus 25% de dégâts et les tirs transpercent le premier adversaire. Ou on a les dagues jumelles de niveau 3 qui font 189, soit 289 de dégâts quand tu enchaînes 2 coups à la suite. Et les ennemis brûlent en mourant. Donc, à savoir, est-ce que c'est mieux que mon épée actuelle qui est à 137, donc elle est vachement mieux? Eh bien, écoute, on va prendre les dagues à la place de l'épée. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ok, je pense qu'il faudra quand même jongler avec l'arc pour pouvoir l'enchaîner normalement. Mais en fait, le niveau est gigantesque. Bon, alors, combien de temps pour arriver ici? Non, juste payer. Bah, attends, on va... Est-ce qu'on a réellement besoin de nouvelles... Non, là, il n'y a rien. Très bien. Eh bien, écoute, c'est un endroit en cul-de-sac, encore une fois. Eh bah écoute, pas de soucis, Thez, mais le problème, c'est qu'actuellement, je ne peux pas faire autrement. C'est ce que j'expliquais, malheureusement, je ne suis pas assez connu pour pouvoir proposer de descendre la puissance de mon live sur Twitch directement. Piège à loup, donc piège à loup de niveau 3, qui va remplacer notre piège à loup actuel, qui était de niveau 1. Tire une volée de flèches! Ah oui, non, c'est cheaté, là, effectivement. Eh bah écoute, où était notre boss? Il était par là, c'est ça, hein. Fallait descendre. Ah, si je dis des choses, en fait, tu m'entends pas. D'accord, bah écoute, bon courage à toi, et puis... Ok, donc ça va être un ennemi puissant, qu'il va falloir essayer de gruger un tant soit peu. Voilà, on va le gruger comme ça pour commencer. Ok, il a invoqué ses sbires. Invoque donc tes sbires! Je te tuerai, démon d'élite! D'accord. Et bah voilà, c'est fait. Ah, merci Thez. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et bah voilà, nous avons la rune de téléportation. Cette rune permanente vous permet d'utiliser des stèles. Très bien, comme celle-ci, j'imagine. Très bien. Et bah voilà qui est fait. Alors, est-ce que le mec va vouloir récupérer son truc maintenant ou pas? Il est où? Attends. Est-ce que donc on était passé là? Ah, il est là. Il doit être là, normalement. Il n'y a personne. Très bien. Donc le mec s'est cassé. Il a su qu'on avait ramassé sa rune, il a fait « Non, allez, les gars, c'est sans moi. Hein. » Et donc on va se TP là-haut pour directement partir. Il y aura une rediff. Ok, j'ai failli faire tomber ma manette. Hein. Gros level de live. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas répondre? Ah, parce qu'il y a ça qui gêne. Voilà. Oui, il y aura une rediff. Voilà, comme ça, c'est dit. Attendez, je reviens, j'ai mon téléphone qui arrête pas de vibrer, il est là-bas. Ok, ça va. C'était que des gens de Twitter qui retweetaient sûrement ce que j'ai mis. Non, je rigole, ça devait être autre chose. Ok, très bien. Donc, ok, ça a invoqué ça, c'est pas grave. Passons ici. Nous allons comme ça sauvegarder. Oh, Panzer qui lâche les GG, merci! Nous allons pouvoir sauvegarder nos 23 âmes, ce qui veut dire que techniquement on va enfin... Ah oui, il y a encaissement, alors qu'est-ce que ça fait encaissement? Il faut 50, 11 PV après une parade au bouclier. Génial, on n'utilise pas de bouclier, ça me paraît bien. 60% de dégâts par seconde environ, tant que vous êtes proche d'une capacité active. Alors ça, c'est intéressant quand tu as le truc qui balance les petites flèches, là. Alors, on va valider l'épée large, même si honnêtement, je sais pas trop. Il nous reste 20, on pourrait prendre la danse des couteaux. Lance tout autour de vous des couteaux provoquant des saignements pendant 4 secondes. C'est plutôt pas mal. Il y a aussi la bombe incendiaire qui pourrait être intéressante. Recyclage, tout ça. Ouais, après ça coûte vachement cher quand même. Hein. Est-ce qu'on valide la bombe incendiaire ou la danse des couteaux? J'ai bien envie de dire la danse des couteaux parce que si on les trouve, ça peut être plutôt pas mal. Voilà. C'est fait. Danse des couteaux. Alors, il nous a lâché les deux. Alors, c'est pour soit la bombe givrante qui fait 48 dégâts mais qui gèle les victimes. Alors que là, c'est lance tout autour de vous des couteaux provoquant des saignements pendant 4 secondes. Donc ça, c'est cheaté. 66 dégâts par seconde, ça, c'est tout aussi cheaté. Fallait pas me mettre ça. Non, mais est-ce que t'as vu l'émote avec ma tête, Panzer, quand même? L'émote avec ma tête, elle est magique aussi. À leur mort, les ennemis touchés congèlent. Oh, bah c'est bon, on prend ça. Allez, merci. Et alors, l'épée. 254 de dégâts. Non, mais c'est quoi cette épée?
Par contre, elle est ultra lentille. Il faut qu'on puisse la cumuler avec l'arc. On va la jouer comme ça. On va la cumuler avec l'arc. Pour pouvoir... munitions de vos armes x2. Ah, c'est pas mal, ça. Tout à fait, Thèse. C'est quand t'es à beau, ouais. Alors, je sais pas si tu m'entendras. Munitions x2. Ou moins 43% sur les... Ça aussi, c'est cheater 40 dégâts par seconde environ pendant 2 secondes après avoir tué un ennemi. Oh, je sais pas, c'est compliqué. Les délais d'utilisation ou les munitions de vos armes x2. En sachant que les munitions de nos armes, ça s'appliquerait qu'à notre arc. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. Vu qu'on va jouer avec l'arc, on va prendre les munitions de l'arc x2. Donc, on va partir là-dessus. On va remettre un peu de potion. Et on va y aller. On est absolument pas tanky. Hein. Toi de la prison, je crois que c'est le boss. C'est pas le niveau... Ah si, c'est peut-être le niveau avec les flags en haut. J'ai un doute là d'un coup. Si c'est le boss, on a clairement aucune chance. Non, c'est le niveau où... Ça, c'est le niveau avant le boss, celui-là. C'est un niveau de combat. Enfin, c'est un niveau normal. Allez, meurs en poule, toi. Donc ça c'est un niveau chute égale mort, hein, je vous préviens tout de suite. Ok, donc mon coup est pas mal, mais il est très très lent, donc va falloir réellement tenter de les utiliser avec... Et ça fait quoi les coups? Ah, les couteaux c'est pas mal aussi. Ah oui, ok d'accord, les couteaux c'est cheaté. On va cul... Ok, j'ai peut-être fait une connerie. Ah oui, celle avec la tête style Persona, c'est celles qui sont payantes, désolé. Effectivement, je dis de la merde, il n'y a que moi qui peux l'utiliser pour l'instant parce que elle coûte cher en fait. Enfin, vu que j'ai pas plusieurs slots, en fait, je voulais la tester et je l'ai mis dans les trucs payants. Alors l'épée est cool, mais elle est ultra lente. Ouais, non, un bouclier va te faire foutre. Par contre, elle est très très cool l'épée. Hein. Question style. Par contre, elle est lente. Hein. Attends, il n'y avait pas des ennemis encore là-haut? Parce que je suis passé en mode bourrin, mais il y avait peut-être encore du monde. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y avait... Ouais, ok. L'épée, ça va être compliqué de jouer avec. Hein. Elle est ultra lente. Bon, on va essayer quand même. On va cumuler arc. Non, on va faire piège à loup, épée. Je pense qu'il faut jouer sur le piège à loup. Voilà. Et là, on utilise l'épée. On va la jouer comme ça, plutôt. Non, j'avais pas vu le magicien en bas. Qui, lui, peut toucher n'importe quand. Hein. Lui, tous les jours, il te touche. Hein. Alors, attends. Par contre, elle stun au premier coup l'épée ou pas? Non, ça sert à rien, j'y vais. Essaye pas. Ok, j'ai peut-être fait une connerie avec cette épée. Honnêtement, elle est ultra lente, mais elle fait mal. Il va falloir essayer peut-être de trouver quelque chose pour la remplacer. Peut-être un magasin, je sais pas. Je suis un peu sceptique. Ok, donc ça, c'est naze. Toi, tu meurs. Toi, tu prends ça en poule. Merci. Ok, ça va être ultra compliqué contre eux parce qu'ils sont bien relous. L'épée était pas une bonne idée. L'épée était une très mauvaise idée même. J'espère qu'on va trouver un shop. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de thunes. Très bien. Utilisation de toutes les capacités pour pouvoir battre ton ennemi, c'est normal. Je suis derrière. Bonjour.
il y a du monde en bas. Alors, qu'est-ce qu'on augmente? Qu'est-ce que tu me proposes, là? Plus 4 points de vie. Ok, je prends direct, merci. Voilà, très bien. Donc là, en espérant qu'il en meure. Ah ouais, non, la zone de glace est pas si grande que ça, en fait. Allez, merci. Plus 4 points de vie, c'est cheaté. Toi, tu crèves en poule! Alors, qu'est-ce qu'on augmente? On va augmenter la brutalité, je pense. Parce qu'on repasse à... Les lumières sont magnifiques dans le jeu. Ah ouais, non, non, le style du jeu est vraiment ouf. Ah, mais attendez, vous voyez pas mes armes, en fait. Je suis pas positionné forcément au très très bon... Au meilleur endroit pour le jeu. On va plutôt se mettre... Alors, attendez. Que je fasse pas de conneries. Je crois que c'est celui-là. C'était pas celui-là. Très bien. Alors, transformer, réinitialiser la transformation. Merci, voilà. Alors, ça... Ah, c'est celui-là, d'accord. Donc ça, c'est pas le bon bouton. Ok. Ok. Ça doit être celui-là. C'est lui. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est toi. Merci, mon ami. Voilà. Très bien. Donc ça, ça se réduit aussi ici. Voilà, très bien. Yo, Mister Mitaton! Ou Métaton. C'est la première fois que je te vois. Bienvenue, welcome. Je suis très heureux de t'accueillir sur ce dernier live de l'année. J'espère qu'il sera sympathique et doux pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais bienvenue. Hop! Si on se met comme ça, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça gâche pas trop le jeu en général? Non, ça a l'air jouable comme ça! Alors... on va s'occuper de vous. Voilà, mange ça. De l'autre côté. Quoi? Putain, il m'a cancel... Quoi? Il m'a cancel au bouclier une deuxième fois? Il meurt! Meurs en poule, toi aussi, bordel! Ok, donc là, on a perdu la possibilité de regagner 4 points de vie techniquement en laissant le mec derrière. Oh, et bah merci à toi, Mr. Mididon, de follow. Merci à toi. Bienvenue. Ah oui, alors toi, t'es abusé quand même. Toi, je te frappe, mais tu... Allez, crève en trou, mec. Quoi? Il s'est retourné à une vitesse. Ok, c'est bon, on est full life, c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Tu dates? Ah bah écoute, excuse-moi alors. C'est la première fois. T'es un lurker d'habitude, genre tu parles pas. Parce que je suis désolé, mais ton pseudo, je crois pas l'avoir déjà vu. Ok. Ah bien, alors. Oh putain, il vend aucune arme. Bombe givrante, on l'a jarté, ça c'est quoi? Ah, piège à loup numéro 5, empoisonne les victimes. Non, le nôtre envoie des flèches. Donc j'avoue que je préfère garder le truc qu'envoie des flèches plutôt qu'un piège qui juste empoisonne au final. Très bien, donc on a fait tout ça pour que dalle, autant le dire. Il s'est TP. Ouais, par contre, le coup de coupe, enfin le coup vraiment droit que tu mets quand tu lâches ton attaque, il est cheaté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on augmente? On pourrait continuer là-dessus avec 21% de... On va partir là-dessus, je crois, pour les couteaux surtout. Parce que les couteaux, on a vu que c'était plutôt cheaté. Ils peuvent bien nous aider quand on est vraiment entouré. Surrounded, j'allais dire, mais bon. Hop, donc là, hop. Hop. Ouais, le coup de taille, vraiment, celui... Eh ben écoute, Kagoutix, merci à toi. Ok, j'étais en train de regarder le chat. C'était un truc à ne jamais faire. Toi, tu crèves comme ça. Tu me redonnes des points de vie. Merci. Ah, jamais sur Twitch. Ok, d'accord. Alors ça, honnêtement, c'est abusé. Hein. La magie qui transperce les murs. Je veux bien qu'on m'apprenne quelle magie c'est parce que c'est overcheaté quand même. Hein. Alors toi, tu vas me gaver longtemps. Voilà, alors je peux remonter là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on augmente? T'étais sur mes lives sur YouTube? Bah, écoute, bienvenue à toi sur Twitch. Plus 15%...
on va continuer en brutalité. Ouais, mais brutalité, ça m'augmente que dalle au final. Parce que même mes couteaux sont devenus plus tactiques. En fait, je joue quasiment que tactique là. Donc on va continuer en tactique. Très bien. Bonjour. Quoi? La vague de stun l'a pas touché? Ok, on est mal. Oh punaise, j'ai pas roulé assez loin. Ok. Mange-toi mes flèches, toi. Ok, c'est cool, là ça passe, là y'a rien, là y'a un TP, bonjour. Ça je ramasse. Il me faudrait une nouvelle arme, hein. Honnêtement, si vous voulez me filer une arme, c'est maintenant. L'épée est stylée, mais elle est pas... elle est trop lente, en fait. Le pont noir! Ah ouais, non, les gars, non, non, pas maintenant, pas maintenant. Ça, c'est le boss. Vous croyez réellement que je vais aller affronter le boss avec cette épée? C'est mort, j'affronte pas le boss avec cette épée, hein. Putain, puis en plus, j'ai plus qu'une potion. Bonjour! Ah, le coup en arrière touche s'il y a un ennemi. Vu qu'on a brisé la porte, c'est bon à savoir. Bonjour. Wouah, c'est quoi cette élite? Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Absolument pas. 101? Non mais t'es pas sérieux. Bonjour. Bonjour. Alors il faut savoir que les élites sont vraiment relous, hein. Ils sont vraiment puissants et ils font vraiment très très mal. Ah, il se TP lui en plus, c'est nouveau. Très bien. On va attendre un peu, hein. On va attendre un peu pour se faire complètement tuer en fait. Ah, meurs du poison s'il te plaît mec. Non tu... Allez vas-y, crève. J'ai dit crève. Ok, c'est nous qui allons crever là. Quoi? Le mec s'est téléporté sans pression. Il est juste derrière moi. Quoi? Congélation, 152 de dégâts. C'est à la place de l'épée techniquement. Bah non. Non merci. Non, comment on est mort en poule en 2-2 là? Bah je crois qu'on va se TP pour sauvegarder les âmes, hein. Je vois que ça. On va mourir juste après, mais c'est pas grave, je préfère sauvegarder mes 29 âmes. Donc, c'était où? C'était là, il me semble. Pont noir. Voilà. On va sauvegarder les âmes. On va aller mourir en poule contre, contre le boss. Mais au moins, on aura sauvegardé nos 30, quasiment 30 âmes, quoi. Bonjour! Alors, 300... Mais bien sûr, bah écoute, on se rappelle plus tard pour celui-là, hein, je pense. 20 pour la bombe incendiaire, 30 pour les dagues d'assassin. On n'a pas assez pour la débloquer tout de suite, c'est génial. Là, techniquement, à part les bombes incendiaires, on peut rien débloquer d'autre. C'est très très bien. Eh ben écoute, on va... bouclier de départ aléatoire, arc de départ aléatoire, sauvetage de l'or. On va partir sur la dague d'assassin. Oh, je sais pas, est-ce que honnêtement... Ce qui serait bien, ça serait de commencer sur arc de départ aléatoire pour améliorer notre arc, quoi. Voilà. Ah, il y a le mec qui propose la transformation quand même, plus 46, 50... Ouais, on va prendre ça. Et là... Vénère TP sur toi. Mais putain, mais c'était abusé, quoi. Le mec, il est arrivé, genre, salut. Eh ben non, mais non. D'où? Non. Ça fonctionne pas comme ça, le jeu. Donc là, c'est le boss. Un boss bien relou, hein. Je vous préviens tout de suite. Je pense pas qu'on soit capable de se le faire. L'homme, l'incomplet. Voilà, vous voyez. Déjà. Voilà,
Voilà, là il fait son truc qui t'empêche de l'attaquer. Là j'ai plus de munitions. Hein. Ça fait très très mal. En fait, faut se mettre dans un coin de la carte pour pouvoir ne pas trop prendre de dommages là-dessus. Écoute, tu manges ça si ça te gêne pas. Ça me ferait plaisir. Voilà, très bien. Fais-moi des 31 de dommages. Hop, on va se mettre à l'autre bout de la carte. Voilà, alors après il y a les trucs de feu qu'il faut penser à éviter. Donc ce qui va être assez compliqué. Hein. Bon, le bon côté c'est qu'il prévient plus ou moins quand il fait ce genre de truc. Voilà, il y a l'attaque aussi qui la balance, hein, normal. Sinon ça ne serait pas drôle. Voilà, très bien. Bah écoute, on va prendre une petite potion, je pense. Voilà, ça me paraît plutôt... Hop, 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 bonjour. Voilà, très bien, merci. Je ne te remercie pas. Hop, je passe là, ça te donne... Attends, marche là-dedans, ça m'arrangerait. Merci à toi. Attends, mange... Oh, punaise, je savais pas qu'il pouvait faire son attaque en même temps. Ok, vas-y, fais-moi 234, je te dirai rien. Je sais que ça te fait plaisir, en plus. Attention. Voilà. Quoi? Mec, d'où? Non, mais c'était abusé, là. C'était quoi, ce saut? Genre... Il est arrivé de nulle part. Genre, yo, ça va? Non, ça va pas. D'où tu fais ça? Oh, cette mort naze. Ah, c'est marrant parce que ça, c'est le mec qui est mort... qui est mort devant le premier passage du truc. Bon, allez. Prends l'arc. Et c'est reparti. Donc là, on recommence avec que dalle. Hein. On n'a plus nos armes, on n'a plus nos améliorations. C'est le but du roguelike. Hein. Dommage, c'était pas mal. Mais oui, mais dommage, c'était pas mal parti. Mais le boss, j'ai pas encore le niveau dans... J'ai pas encore le niveau pour le battre. J'ai pas encore assez appréhendé le jeu pour pouvoir me le faire. C'est ma 9ème mort, je crois. 9ème ou 8ème mort. Il y a encore un truc que j'ai pas... Il me manque encore des patterns que j'ai pas bien enregistrés et tout. Donc, va falloir bosser là-dessus. Bonjour. C'est ici pour se faire roaster en 5 secondes. Très bien. Voilà, cette épée, elle est bien. Elle tape vite, mais... Mais elle fait pas assez mal, en fait. Alors ça, Ah, si, d'accord. Hop, merci. Donc là, c'est le piège qui balance des petites flèches. C'est plutôt pas mal. Il est plutôt pratique. Surtout contre le premier boss. Voilà. Donc comment ça fonctionne? Tant qu'on est à côté, il va balancer des flèches sur les ennemis proches. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas over-cheaté. 1000 pour le piège à loup. On a 4000. Et bah go, je récupère le piège à loup direct. Voilà, très bien. Donc ça, on peut cumuler. Tu mets le piège à loup, tu mets le truc qui lance en même temps et tu vas frapper le mec dans le dos. Le gars n'a aucune chance. Hein. Alors qu'est-ce que tu me vends? Alors celle-là, on la prendra plus jamais de ma vie. Épée équilibrée de niveau 2, 75% de dégâts sur une cible ralentie, ça c'est pas mal, 2100, on prend. Voilà, très bien. On est équipé, c'est plutôt bien. 1000. Hop, j'ai pas envie de me faire maudire. Bah on va partir sur les dégâts en plus ou là-dessus. On va partir là-dessus, hein, je crois. D'accord, donc à chaque fois que tu t'améliores dans une spécificité, en fait, ça réduit les armes bicolores. Saute! Bordel. Voilà comment ça fonctionne. Hein. Ah, elle est rapide celle-là, elle est bien. Elle est bien, elle est bien, on est bon. Alors, voyons voir ça. Maintenant qu'on peut se téléporter... Le bouclier de première ligne de niveau 1 absorbe 90% des dégâts mais inflige 40 dégâts de l'autre côté. Au revoir. Ah, il y en avait un autre, je l'ai pas vu. Attends, c'était quoi l'autre? Le deuxième, c'était...
L'assommoir étourdit les ennemis bloqués, la durée de l'effet est accrue en cas de parade réussie. D'accord. Allons-y, qu'est-ce qu'on a là? Brutalité, technique, et on va prendre brutalité. Parce que brutalité avec l'épée, c'est quand même... Quand tu touches ton adversaire, c'est pratique. Voilà. Moi, j'y arrive pas tout le temps, hein. Apparemment, je suis très très mauvais quand même. Toi, tu te tais. Toi, tu viens avec moi. Le shawarma pour redonner de la vie. J'utilise pas... Enfin, je pourrais utiliser les potions pour être safe. Mais honnêtement... Ah d'accord, je suis pas assez proche de lui pour tirer. Très bien. Merci. Voilà, très bien. Hop. Tac, on passe là. Encore, je te casse. J'ai rien à faire. Voilà, merci. Ok, très très bien. Tu meurs, toi, bisous. Voilà, on est là, c'est bon. On est déjà à la promenade du condamné, punaise. Mais ce niveau, la promenade du condamné est hyper hardcore quand même. On va repartir là-bas, histoire de voir s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Ah bah parfait, il y a un coffre. Donc les égouts ont disparu? Oh, la grenade givrante! Fait tomber toutes les flèches plantées sur les victimes. Ah si, les égouts sont toujours là. Très bien. Ok, ok, ok. Hop, t'exploses. Je remonte ici. Voilà, tranquille. Et par là, c'est de là d'où on vient. Pas de soucis. Ok, là, y'a rien. Égout toxique. Ok, donc là, on a fait l'intégralité de la carte, normalement. Il y a le piège à loup qu'on a laissé là-haut. Il y a une stèle qu'on n'a pas vue. Mais ça, je pense que les trucs électriques, on peut pas encore les débloquer. On va y retourner, juste pour vérifier. Et puis, au-dessus du truc, là, mais bon, ça, c'est autre chose. Ok, donc, quelle est la truc? C'est celle-là. Donc, on passe là. Hop, piège à loup. Ah, mais non, mais c'est la vigne. Attends, c'est la vigne qui est représentée comme... Ah, c'est... D'accord, c'est l'utilisation d'une technique, en fait. Qui est représenté par ce petit symbole. Très bien. Non, les ennemis repopent pas dans un au cours d'un du même run. Normalement, non, ils restent morts. Ou en tout cas dans ces niveaux-là. Il y a peut-être d'autres niveaux après qui vont popper où les mecs vont réapparaître. Mais là, je peux me promener sans aucun souci. Il y aura plus jamais personne pour venir m'embêter, quoi. Bah écoutez, je pense qu'on a tout fait sur ce niveau-là. Le suivant est ultra compliqué parce qu'il y a des mecs qui se TP. Et ils sont bien relous. Je l'ai passé une fois. Avec énormément de chance, je sais pas comment j'ai fait. Mais je pense pas être capable de le refaire. Il nous reste 10. 10, c'est vraiment naze. Donc on va faire ça. Voilà. Et on va prendre une première amélioration qui va être... Le regain de points de vie. Là, boum. Et c'est parti. Donc, promenade des condamnés. Un niveau forestier assez compliqué. Avec des mecs qui se TP. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme monstre relou? Bah, il y a toujours eux. Hein. Ah oui, il y a les espèces de chauves-souris qui font une ligne droite pour te charger. Voilà, bonjour. Bien. Alors les mecs qui se TP, ce sont eux, là, avec la double dague. Mais le bon côté, c'est qu'on a de quoi les geler maintenant, donc on va pouvoir se les faire un peu plus facilement. Alors attendez, je ne fais que passer, faites comme si je n'étais pas là. Ok, d'accord, on est très très mal.
Alors, s'il vous plaît, veuillez me mourir en poule. Je vous prie, s'il vous plaît, de mourir. Merci. Je pense qu'il faut les bottes spartiates pour activer celui-là. Ok, ça s'est ramassé, c'est cool. Donc, pour une gemme, enfin, pour une âme pour l'instant, on a déjà pris ultra cher. Et là, le jeu m'a refusé de taper mon ennemi, très bien. Ah si, voilà! Voilà les autres ennemis bien relous, il y a les totems. Alors les totems, c'est des ennemis bien pète-couilles quand même. Tue le totem, s'il te plaît, mon ami. À travers la porte, alors toi, t'es comme ça. On se décale. Ok. Ah oui, il se TP, mais quel idiot! J'ai complètement zappé qu'il se TP, j'étais en mode bon bah c'est bon, on est un peu loin, il ne frappera pas. Mais bien sûr. Bah écoute, ça part sur une petite potion déjà, voilà. Ok, donc celle-là, elle est inactivable, hein, soyons honnêtes. Combien de temps? Il y a 4 minutes et 44 secondes. Bah au moins je suis constant, 4-4-4, c'est très bien. Ok, on va ouvrir. Bonjour! J'utilise tout, hein. Eux, je leur laisse aucune chance, j'utilise... Bonjour monsieur le vendeur, j'ai 4000, qu'est-ce que tu proposes? Je vous propose le casse-noisette, étourdit les cibles qui ont plus de 75% de vie. Vous récupérez 1% de vie par attaque infligée au corps à corps, mais vous subissez 2,5% de dégâts. L'arc est en coche de niveau 2, tir explose en un nuage toxique. Pour 5005, j'ai pas suffisamment. Bah très bien, bah écoute... 5005, on est à combien? On est à 4005, il nous faudrait 1000 de plus. On va essayer de revenir une fois qu'on aura un peu la thune. J'avoue qu'améliorer l'arc, c'est cheaté, hein. Et voilà, il y a un totem. Très bien, bonjour monsieur le totem. Comment est-ce qu'on va faire? Ici, voilà. Donc voilà, donc le totem est cheaté, hein. Quand on tombe face à un mec avec un totem, on se casse ou on essaye de le tanker rapidement. À moins que peut-être plus tard t'aies un truc pour tanker les totems. Ça serait stylé. Très bien, ça c'est ramassé. Là on peut pas y aller. Faut pas tenter. Alors en bas. Oui, merci. Alors, on va augmenter ceci je pense. Bonjour niveau à pic. Ok, il y a que dalle. Petite épée, normalement il y a une arme au bout. 1004 où on est... Bon, on va payer. Moi je suis le genre de mec qui veut pas se faire maudire. Donc je paye. Hop, très bien. On a augmenté la survie. On va se re-TP là-bas. Bonjour! Cette flèche. Arrow, quoi. Ok, non, là c'était pas top. Toi, tu... Ok, alors première règle, quand tu joues à Dead Cells, évitez de te. De ne plus regarder tes ennemis. Ok, il y a un totem, génial, il est où? Il est là-haut. Bonjour, monsieur le totem! Une nouvelle arme, ça je prends en direct. Merci. Et bah alors, on fait moi le malin. Pardon. Je disais donc, ouais, ils sont... Il y en a, ils sont badass, hein. Alors toi, comment je vais t'enchaîner, toi? Ça me paraît pas mal comme ça et comme ça. Merci.
Alors toi. Alors toi. Non. Et. Ah, t'es aussi. Bonjour. Énorme. Parfait, merci. Alors là, il faut une clé qu'on n'a pas encore. Et qui nous permettra de débloquer apparemment un arc avec des flèches explosives. Ce qui est plutôt pas mal. On va appeler cet ascenseur magique. On va descendre et qu'est-ce qu'on va avoir? Ça je prends. Alors qu'est-ce qu'on augmente? On pourrait continuer à augmenter la brutalité ou la survie. On n'a pas d'équipement vert donc on va prendre les 30% comme ça. Là on va pouvoir se TP ce qui est plutôt cool. Et alors qu'est-ce qu'on a? Une porte qui est, je suis surfermée. Voilà. Là, ok. Oh, bonjour, 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 rien ne m'intéresse. À la prochaine, salut, au revoir. Dommage. Le TP magasin qui sert à rien. Bon, c'est pas grave, au moins on a vu qu'il y avait des armes qui pourraient être pas intéressantes. Donc là, ça y est, c'est la deuxième partie du niveau où tu as et monstres et piques mélangés pour essayer de te tuer rapidement. Donc là, normalement, en dessous, c'est des piques. Hein. Non, c'est un mec relou. Mange-toi ça et ça. Voilà. Merci, au revoir. Ok, il y en a un là-haut. On va essayer de pas l'aggro. Mauvaise idée. Non ! Oh, c'est abusé. Le double hit était abusé là encore, génial. On va utiliser notre dernière potion, on est full life, on va essayer de bien jouer. Ce qui va être compliqué je pense. Ok, on va descendre. Ok, c'est passé, gros coup de chance, je sais pas comment. Là, on a un élite en dessous. Est-ce que je peux peut-être l'embêter un peu? Non, je peux pas. Très bien. Oh non! Non, alors par contre, le totem, tu te casses. Alors, elles explosent directement. Hein. Ça te laisse même pas une chance de pouvoir le faire. C'est genre, ça explose instant. Voilà. Ça explose instant, hein. Merci le jeu. Je suis presque mort. Alors qu'est-ce que j'essaye de faire en fait? J'essaye de le balader pour essayer de le tuer. Mais ça n'a pas fonctionné. 15 cellules perdues. Eh mais honnêtement, ce niveau, il est beaucoup, beaucoup plus compliqué que le niveau juste avant dans les égouts. Hein. Le niveau avant dans les égouts, c'est juste de la rigueur. Mais alors, celui-là, entre les mecs qui se TP, les totems qui protègent, et je cherche des excuses. Honnêtement, non, c'est juste que j'ai très mal joué. Alors, je sais pas ce qu'a fait cette porte-là. Ok, j'ai sauté au lieu de rouler, très bien, très bonne idée. Alors là, diversité d'ennemis, puissance 100. Hein. Bonjour! Voilà, hop, tu crèves. Déjà 3 âmes, c'est ça? Oh, c'est pas mal. Attention à la flèche qui peut arriver dans notre dos à n'importe quel moment. Pas de rune, très bien. Bon, le premier niveau, on n'est pas hyper chaud dessus, mais ça va, on arrive à faire du crowd control sans problème. On voit à peu près les patterns des ennemis, on récupère les armes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre, après, ça devient compliqué. Hein.
Bon, allez, je vous laisse. Bonne fin de live, JB. Surtout, bon réveillon et bonne année. Bah, à toi aussi, Panzer. Profite bien de ta soirée. Profite bien de tes proches. Et puis, bah, bonne année à toi. Et puis, à l'année prochaine. Salut, mec. Alors, on va partir sur tactique. Hein. On va continuer là-dessus. Voilà, très bien. Bonjour. Ok. Ok, c'est clean, il n'y a pas un truc là, il n'y a rien, on peut passer là. Alors, qu'est-ce que tu... Oh, une épée! C'est quoi ça? C'est l'épée large niveau 2. À leur mort, les ennemis touchés congèlent pendant 1,8 secondes les autres ennemis. Lourde et lente, mais tellement violente. On va la... Ah, attendez, maintenant j'ai le truc pour la recycler directement. Ah mais attends, ça change tout. Attends, mais le gameplay change là. Si les trucs qui t'intéressent pas, tu peux les vendre. Ça change tout. Mais c'est cheaté. D'accord. Ah, c'est cheaté. Donc par exemple, si je paye 1000, que la torche m'intéresse pas, je peux la recycler, elle me fait 260, d'accord. Donc ça valait clairement pas le coup, hein. Mais au moins... Un nouvel arc. Ah, si on arrive à le garder celui-là, ça peut être intéressant. Bonjour! C'est le calendrier des éboueurs! Ok, on va re-step là. D'accord. Ah, mais ça c'est intéressant, voilà. Dague épée équilibrée de niveau 2. Eh ben écoute, ça je ramasse direct à la place de l'épée rouillée. Et l'épée rouillée, on va la scraper. Ah, je peux pas la scraper, impossible de vendre cet objet, très bien. Bah écoute. Et celle-là balance une bombe en même temps. Oh là là, c'est cheaté. Et je suis en train de me dire qu'en fait j'aurais peut-être dû ramasser la torche. Mais bon, c'est pas grave. On est déjà passé là. Donc, on n'est pas allé de l'autre côté plutôt. Bonjour! Faut que j'arrête de dire bonjour à chaque ennemi que je rencontre en fait. Ok, elle est pas mal. J'aime pas son enchaînement. Mais elle est plutôt puissante. Alors, les fameuses bottes spartiates. Ça dépend. This is Dead Cell. This is Sportia. Ok, d'accord. C'est à la place de l'épée ou du. Bah, je vais rien prendre. Excuse-moi, vendeur, mais. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Pour 1000. Allez, go. Hop. Donc nous allons augmenter. Ah, j'ai bien envie d'augmenter ça, mais brutalité 50% c'est cheaté quoi. On va garder les 50% de points de vie en plus. Ah oui d'accord, on est déjà promenade des condamnés quoi. Alors, ça va être un run poubelle je pense. On va se TP aux égouts toxiques, histoire de ramasser pas mal d'âmes. Et attendez, mon téléphone a sonné. Ok, allez, égout toxique, histoire de ramasser quelques âmes, histoire d'être bien. On va sauvegarder nos 11 âmes. Alors, combien l'arc de fantassin, là? 30, punaise.
inflige des coups critiques lorsque vous êtes à courte portée. Ah, ils sont pas mal les arcs. Et en plus, une fois qu'on aura débloqué ce truc là, il y aura une chance de les choper dès le début du run. Donc on va finir de débloquer ça. Et comme ça, une fois qu'on a fini de débloquer ça, on pourra améliorer... Alors, on va partir sur, sur le regain de points de vie. Hein. C'est ça qui est quand même le plus cheaté actuellement. Et let's go pour les égouts toxiques. On est bien plus mal équipé que tout à l'heure. Mais on va ramasser des trucs. Et surtout, j'espère qu'on va trouver quelques trésors. Et on a un shawarma dès le début. On saura qu'on pourra l'utiliser si on en a besoin. Oui, je veux bien que tu t'accroches. Y'a rien, très bien. Et tu t'assommes, mais bien sûr. Ok, bon, y'a son cousin qui arrive. Oui! Oui! Quelle chance! Ok, on a une âme pour l'instant. Merci. Bon, ça c'est ma hantise, hein, vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter ça pour passer à 3 points de vie plutôt. Très bien. Qu'est-ce qu'on a manqué ici? Un scorpion dégueulasse! Mais c'est bon, on l'a eu. Très bien, je vais monter là. Toi, je te rends visite. Et toi, je te déteste vraiment. Voilà. Ça c'est une mauvaise idée, hein. Plonger comme ça sans regarder ce qu'il y a en bas, c'est genre l'un des pires trucs à faire. Ouais, voilà, voilà pourquoi est-ce qu'il aurait pas fallu plonger tout à l'heure. Non! T'es pas sérieux là! Bordel! Ok, là doit y avoir un scorpion. Non. Alors! Hé, hey, par ici! J'ai vu ton combat, c'était plutôt impressionnant! Est-ce que tu l'as récupéré? Très bien, maintenant donne-la-moi! J'ai dit, donne-la-moi! J'en étais sûr! Tu es comme tous les autres, après tout, tu vas le regretter. Mais t'aurais dû lui donner. Je vois pas pourquoi tu lui as pas donné, en fait. Tu lui donnes, et puis il se TP, et puis nous, on irait le rechercher, ou un truc comme ça, non? Alors, attendez, je vais peut-être aller chercher ma brochette. Histoire d'être full life. Vu que c'est un petit objet qui traîne par là. Voilà, très bien. Comme ça, on n'a pas utilisé de potion et on est full life pour continuer le niveau. C'est pas là où je voulais me TP, mais c'est pas grave. Ça ira très bien aussi. Hop, voilà. Nickel. Bonjour. Non, faut que j'arrête. Ok, j'arrête. C'était mon dernier bonjour, je vous promets. Et là, il n'y a rien. Ok, la flèche derrière moi. Ok, je suis empoisonné, c'est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on peut augmenter, là? 30% plus 3 PV. On va continuer à augmenter le violet. Parce que l'arc, j'avoue qu'on le spam un peu. Non, je l'avais évité, celui-là. Ok, pas de chance, c'est bon. Évité. Ça, on va le ramasser, très bien. Qu'est-ce qu'on a? Survie plus 30%. On était full life, hein. En 30 secondes, j'ai tout perdu. Enfin, pas tout perdu, mais une bonne partie, quoi.
Qu'est-ce qu'on a par ici? On a des mecs. Non, ça sert à rien. On va attendre qu'ils passent en dessous et bouah! Bouah! Voilà, exactement comme j'avais dit. Oh, merci le jeu, t'es gentil. Saute! Combien? 10 âmes pour l'instant, c'est pas ouf, hein. Plus le mec a dit qu'on allait le payer. Ok, pas de passage secret, on va remonter. Vraiment là, c'est joli cul-de-sac quand même, hein. Un peu là-haut, un peu là-bas, mais ici c'est complètement cul-de-sac. Donc faudrait... Ah mais non, en bas, non, je crois que je peux pas la passer cette porte, c'est la porte temporelle. Ok, bah écoute, on va remonter. Ok, bah écoute, quand tu veux, merci. Ah, donc le TP est là, très bien. Toi, je t'aime tellement pas. Non, j'ai roulé! Quel idiot! Ah, ça y est, il y a les chauves-souris relous. Voilà, au revoir la chauve-souris. Alors, ça, c'est un TP. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un élite. Évidemment. Qui va se TP aussi. Ok, il a retiré sa première armure. Attention, il y a tous ses potes qui se sont ramenés. Et il se TP, très bien. Et crève! J'ai dit crève! Merci. Alors, la torche, c'est la place d'une arme, donc ça, on peut la recycler directement. Et on va ramasser le piège à l'eau. Voilà, très bien. On a pris très très cher, mais on a nos deux potions. Donc à tout moment, on peut se heal plus que nécessaire. On a un vendeur ici. Ah non, c'est un coffre, très bien. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, petit coffre? Des âmes, je prends. Et ça, c'est quoi? Tourelle rapide, tire rapidement sur tous les ennemis proches, infligeant 74 de dégâts par seconde, plus 25% de dégâts. À leur mort, les ennemis touchés congèlent pendant 1,8. Mal. Alors, 18 secondes de rechargement, là on a 10. 46 de dégâts pour 74, bombe givrante, au revoir. Et je vais directement te bouffer. Voilà. Alors comment j'atteins ici? Ok, je sais pas. Aucune idée. On le découvrira peut-être un jour. Ou pas, vu que je suis mauvais, hein. Ok. Ah ouais, non, c'est cheaté. Clairement, c'est cheaté. Bonjour! Aide-moi, tourelle! Bravo! Tu m'as été d'une grande aide, petite tourelle. C'est vrai que c'est pas mal, la tourelle. Hein. Alors, tu te tais, déjà. T'arrêtes de crier. Ah, les 46 de dommages que j'aurais pu éviter, mais sans aucun souci. Je ramasse. Ça, je ramasse, très bien. Bonjour! Il y a trop de monde. Ah, j'ai dit que j'arrêtais, c'est vrai, pardon. Ok. Non! Je me suis gouré de boutons. J'ai voulu rouler et j'ai lancé mon piège. Quelle erreur. Alors attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit? Non, il n'y a rien par là. Très bien.
Ok, cool. Petite esquive. Oh, alors là, honnêtement, il faut qu'on arrive à aller jusqu'au niveau suivant. Hein. On a beaucoup trop d'âmes. Non ! Attendez, j'ai un doute là. Ok, désolé. Allez, on y retourne. Motivé. Alors, on va repasser là. Ok, cool. Très bien. On a presque 30 âmes. Il nous faudrait un dernier ennemi histoire de... Oui, merci. Punaise. Faut qu'on sauvegarde nos âmes là. Oh punaise. Non. Pas l'eau dégueulasse. Attends, le kunai, comment je le récupère? Aucune idée, très bien. Wow, on a pris hyper cher. Ah, c'est le kunai, très bien. Merci. Alors, la danse des couteaux de niveau 2. C'était pas mal, mais pas la peine. Quoi? Mais tu viens d'où, toi? J'ai plus de munitions, génial. Voilà. On est mid-life à cause d'une erreur débile. Ok, j'aimerais vraiment sauvegarder mes âmes. Honnêtement, faudrait que je sauvegarde mes âmes. 1400 le fouet. Non mais attends, je prends le fouet direct. 101 dégâts, par contre, ouais. Vise automatiquement les ennemis proches. Les ennemis brûlent en mourant. Ah, le fouet, il est tellement bien, pourtant. Qu'est-ce que je fais? À la place de l'arc? Ouais... Épée fouet, ça peut peut-être être cheaté quand même. Vas-y, on va tester épée fouet. Si ça se trouve, c'est ce qui va nous mener à notre perte. Mais on l'aura vécu comme il fallait. Même si j'y crois pas trop. Alors le fouet, il est ultra cheaté. Hein. Voilà. C'est très très cool. Eh bah parfait, toi de la prison, on va pouvoir sauvegarder nos 35 âmes. Punaise. Je dis oui. Alors. Nous avons de quoi terminer l'arc aléatoire, il nous restera 20. Est-ce qu'il y a un arc qui nous coûterait 20? Non, les arcs coûtent 30 minimum, donc ça veut dire que ça sera débloquable à notre dernière prochaine... Voilà. Et on va commencer par débloquer l'arc assassin, qui avait l'air plutôt stylé, avec inflige des coups critiques lors d'une balle proche. Voilà, 10. Très bien. Alors, mutation disponible, on a le regain de points de vie, on pourrait passer moins 43% dans les délais d'utilisation. Et là, on va reprendre des fioles de magie, enfin des fioles de vie plutôt. Et c'est parti, je crois que c'est le boss. Hein. Je crois que c'est le boss là. Donc le boss à la tourelle et au piège à loup, je le sens moyen, mais on va tenter quand même. Et puis bah si on meurt, on se laissera là pour cette petite VOD qui dure depuis quand même 1h21. Pas mal. Ah non, c'est un niveau là. Attends, non, je sais jamais. Non, c'est un niveau là. C'est le niveau bien relou avec les mages et tout.
Voilà, donc le fouet. Le fouet est vraiment très très cool. Alors il fait pas hyper mal, mais il a un style indéniable. Et je me suis déjà pris 20... Ok, je me suis déjà pris 110 points de dommage. Très bien. Bah écoute, bien joué à toi. Et j'ai très très mal joué ma première session de jeu là. Y'a quoi en bas? Y'a beaucoup de monde. Non mais t'es sérieux? Mais là je joue n'importe comment, faut que je me remette dedans là, c'est pas possible. Il y a une partie de la salle là-haut qu'on n'a pas explorée au début. Au début de ce level. Oh, bonjour! J'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que ça y est, la mort était là. En 5 secondes, dans un trou, bêtement. Ah oui, il y a du monde. Bonjour. J'ai dit que j'arrêtais avec les bonjours. Hein. J'ai gâché ma première potion ultra bêtement là. C'est pas grave, on va descendre là. Plus 4 points de vie. La prochaine, j'espère que ce sera une violette ou une multiple. Comme ça, on pourra continuer à augmenter ça. C'est plutôt cheaté. En fait, mes armes elles sont pas assez puissantes pour cet endroit. Donc, sa flèche m'a quand même touché. Alors là, voilà. Ça, c'est le genre d'endroit. Est-ce qu'il y a un truc qui va se débloquer un moment? Parce que, pourquoi? Je comprends que ça soit généré aléatoirement, etc. De façon procédurale. Mais pourquoi ce genre de zone? Vous êtes sérieux? Je vais jamais y arriver, ça. Je vais mourir en poule, là. Ok, j'ai rien dit. Épée large de niveau 3, on a déjà vu que... Ok, donc j'ai plus de potions. En fait, je voulais cliquer sur recycler l'arme. Et vu que je suis un vrai connard, hein, faut pas se le cacher. Mais en fait, j'ai bu ma dernière potion. Donc ce fait que là, j'ai plus rien pour me remettre des points de vie si jamais je suis dans la galère. Donc soit on va très très bien jouer, soit on va pas tarder à mourir. Le choix est plutôt sympathique. Piège à loup, grenade d'infanterie, à leur mort, les ennemis touchés congèlent pendant 1,8 secondes, les autres ennemis explosent, infligeant 109 de dégâts. Ce qui est plutôt pas mal. Mais lui, il retient pendant 6,5 secondes avec 61 de dommages par seconde. Ce qui veut dire que techniquement, il fait 360 dommages. Alors que l'autre n'en fait que 109. Donc on va garder le piège à loup. Même si ça congèle. Ouais, et bah hop, très bien. Non, il a touché mon pied, vas-y, j'ai marché sur la flèche. Je l'ai pas mangé, j'ai marché dessus. Ok, mauvaise idée. Je vais plutôt comme ça, très bien. Mange-toi mon fouet électrique!
Ok, très bien, j'ai foutu le feu partout, c'est nickel. Je suis plus là. Ok, mauvaise idée. Ok, le fouet, ça les bat pas assez rapidement. On se prend des dommages bêtement. Bonjour. Oh, il y en a du monde là. Alors, on avait dit qu'on augmentait quoi là? On avait dit qu'on augmentait le violet techniquement. Bon, on va augmenter la brutalité plutôt. Putain, mais c'est. C'est une réunion abonnée ici ou. Enfin, pas les miens. Hein. Celui d'une personne connue apparemment. Roule! Ok, on s'en est méga bien sorti. Je pensais pas que ça soit. Ok, non, là c'est abusé, mec. T'as marché, t'as mis un coup de bouclier à mon orteil, quoi. Mais bien sûr. Tu vises ma tourelle, mais quand j'arrive, tu me vises direct. Ok. Ok, là on est dans la merde. Grosse erreur de ma part. On est mid-life. J'ai jamais vu cette configuration là. Le pont noir direct, c'est bon. Ok. Alors. Est-ce qu'on fait les fous? On continue. On a combien d'âmes? On en a 18. Est-ce qu'on sauvegarderait pas les âmes pour être sûr comme ça de débloquer l'arc d'infanterie? Parce qu'il nous manquait très très peu. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On va sauvegarder les armes, les âmes. Voilà, donc 10. C'est fait. Donc on a l'arc de fantassin qui est débloqué. Donc qui a une chance de tomber maintenant qu'on a débloqué le truc random là. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Derrière, il nous reste encore 8 cellules. Qu'est-ce que je peux prendre pour 8? On va commencer l'arc de glace. Voilà. Et on va remplacer le fouet par ça. Voilà. Une mutation disponible. On va prendre les munitions x2. On se remet de la vie et on va affronter le boss. Et si on gagne face au boss, ça sera le miracle de Noël. Même si on est le 31 décembre, mais ça sera le miracle de Noël. Et j'y crois pas une seconde. Donc on va poser nos pièges déjà. The incomplete. Voilà, et là comme ça, il va être stoppé. Hop. Hop. J'ai plus de munitions, très bien. Ok, ça faut l'éviter à tout prix, donc on va dans l'autre sens. C'est la vague de feu? Non, pas encore. Là, c'est la vague de feu, non? Non, là, c'est quand il fait mal. Voilà, là, la vague de feu. D'accord. Bon, hop, hop. Ok, la vague de feu, très bien. Non mais occupe-toi de mes trucs, ça me gêne pas du tout, tu sais. Très bien, bah, je l'avais anticipé en fait, t'as tout compris, je l'avais fait exprès. Bon celui-là non, j'avais pas fait exprès. Mais par contre si tu peux crever, ça m'arrangerait. Ça c'était une belle bêtise. Ça aussi. Ok, ça y est, il commence à sauter.
Il est mid-life en même temps. Hein. Non, quel con! Pourquoi est-ce que j'ai sauté dans son truc? Ok, on s'écarte. Il va faire son truc de feu, je pense. Voilà, très bien. Allez, on n'a jamais été aussi proche de le battre. Non, mais t'es sérieux? Pourquoi? D'où tu fais ça, mec? Non! Autant que tu sautes, je dis... Yo Tab! Bordel, j'avais jamais été aussi proche de le battre quoi. Ah donc la torche compte comme un arc. Bon. Bah écoute. Eh bah écoutez, on va se laisser là. Désolé pour ceux qui viennent d'arriver. Je vais vous souhaiter un bon réveillon. Des bonnes fêtes de fin d'année, quoi. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et pour ceux qui sont arrivés, je suis désolé. On n'aura pas trop mal avancé. On se sera fait OS quand même 2 ou 3 fois. Le boss est juste horrible. Je vous remercie et je vous dis à plus. Salut. C'était JB. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne?